Les amis, avez-vous déjà rencontré le grand requin blanc, le tueur d'hommes, le fameux, oui, le fameux terrifiant, n'est-ce pas? Comme par exemple celui-là, ou alors celui-là, terrifiant, n'est-ce pas? Ou alors celui-là, terrifiant, n'est-ce pas? Il n'est pas terrifiant du tout, mais qu'est-ce que t'as foutu? Pardon. Aujourd'hui, on va parler de requins dans Shark Simulator. Il me restait plus qu'un jeu dans mon dossier, je l'ai pas testé, donc écoutez, on va pas commencer à juger, on va tester, on verra après. Comme les brocolis, on dit pas j'aime pas m'en goûter, ok, donc c'est pareil. Allez, on teste ça, c'est parti. Shark Simulator, dans cette petite ville appelée Requin City, je n'ai aucune imagination, c'est incroyable, ça devient quand même grave là. Se cache un terrifiant prédateur, vous ne le voyez pas, et pourtant il est quelque part dans cet écran. Non, inutile de chercher, il est pas là. J'ai essayé, mais il est pas là. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Je connais pas le jeu, hein. Je viens de lancer avec vous, je ne me suis absolument pas renseigné, juste vu qu'apparemment il était pas mal téléchargé. Oh, j'incarne le requin. D'accord. Ah, mais par contre, je suis un... Putain, mais je suis un sorcier. C'est un requin, mais putain, c'est un requin magique. Regarde, waouh. Ok, d'accord. Alors, to move up and down. Alors, ça, c'est pour aller up. Ça, c'est pour aller down, je crois. Hop, ok. Ça, c'est pour sauter. D'accord. Ouah, mais mec, il est pas normal, ce requin. Et X, c'est pour ouvrir la gueule. Oh! Est-ce que je peux croquer des trucs, du coup? Tac, 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 tac. Ouais, non, je peux rien faire du tout, là. Là, je peux voir la carte. Mais les gars, c'est GTA du requin. C'est incroyable. Il s'appelle Ed. Ed the Shark. Ah, je suis pas d'accord, non, tu me barres ça, clac, 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 et tu me mets Bobby le Shark. Voilà, là, c'est quand même beaucoup mieux. Mais c'est quoi cette carte du futur? Ok, d'accord, je crois qu'il faut gagner de l'argent en tuant des gens ou je sais pas. Du coup, on va tester. Les gars, wouh! Tac, alors toi, je te graille, voilà, je t'ai graille. Ah, tiens, tu... Wow, the fuck? Je l'ai toujours avec moi. Et genre, j'ai une étoile. Ils ont appelé les flics, mais what? À quelle heure, genre, c'est vraiment un espèce de GTA. Alors, par contre, mon requin, lui, peut se balader. Non, par contre, toi, je veux... Non, non, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Arrête de bouger. Voilà, je t'ai... Hop, là, allez, on y retourne. Hop, on va dans les profondeurs. Voilà, tac, 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 je te graille. Hop, 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 hop. Bon, c'est bon, je la laisse tranquille. J'ai deux étoiles. Mais qu'est-ce que les policiers vont faire? Mais comment je le sens trop mal, cette histoire. What? Je me fais tirer dessus. Oh, les gars, les gars, les gars, les gars, voyons. Voyons, les gars. Je me suis fait tuer. Ah, il faut que je tue 50 personnes. Mais j'avais pas vu. C'est tout moi, ça. Je lis jamais les règles, je lis jamais les conditions. Genre, rien du tout. C'est comme quand tu télécharges une application ou quoi. T'as un espèce d'énorme truc de règles. Tu fais cocher, rien à foutre. Toi, je te graille. Toi, je te graille, Bobby. Toi, attends, attends. Toi, viens, hop, là. Je te graille aussi. Je graille des chaises, hein. C'est totalement normal. Plus je graille de gars, et plus je gagne de l'argent. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche. Hop là. Il faut que je graille encore. Oh, mais ça va encore. Je me débrouille plutôt bien. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Faut qu'on parte. J'entends les policiers. Vite, je t'ai mangé. Mais mec, mais je vais trop vite, c'est incroyable! Je suis super requin! Ok, il reste encore 25 personnes à manger. Toi, paf! Ok! C'est bon, dégagez la police! Je peux grailler la police? Je peux grailler les voitures! C'est n'importe quoi! Attendez, je la mène dans l'eau. Il ne fallait pas venir ici, les gars. C'était interdit, c'est mon territoire. Il ne fallait pas venir ici. Attention, et bim! Dans l'eau, mon gars! Qu'est-ce que tu vas faire ici? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah non, ils vont conduire, ça me paraît être un bon plan. Bah toi aussi, je te mange des... Oh non, je t'ai raté. Dégustation. Genre moi, j'ai un requin comme ça qui est juste devant moi. Je panique un petit peu. Non, tu paniques pas? Oh non, un requin. Ah d'accord, c'est... Oh les gars, j'ai rien fait. Comment vous hurlez? Je l'ai même pas graille. Là, vous pouvez hurler, mais pas avant, les gars. Allez, plus que 4 personnes. Genre toi, t'es pour moi. Je t'ai vu en dessous. Je t'ai vu. Non, je t'ai vu. Salut, comment ça va? Hop là, ça va très bien, et toi? En tout cas, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois, que des développeurs créent des jeux comme ça. Je trouve que au final, ça montre vraiment la réalité du danger. C'est ça qui est ouf, parce qu'on est bien sur Shark Simulator. C'est de la simulation, ça peut arriver à tout moment. Ça, ça peut arriver à tout moment. Genre, une personne comme ça, hop là, qui se fait manger, recracher en plein milieu d'un centre-ville par un requin qui est en train de glisser sur du béton, c'est complètement... La menace est là, la menace est là. Oh, quête complète! By the Big Sword? Je suis juste là, ok. Donc c'est la rue en face, à l'angle à gauche. Ok, alors très très bien. Monteur, active le GPS, s'il te plaît. Voir GPS activé. Ok. Oui. À gauche? Oui. Très très bien, à gauche. Ensuite? À gauche. D'accord, pas de... J'ai dit à gauche. Ok, très bien. Non mais je te suis, je te... J'ai dit à gauche. Il fallait que je tourne à gauche, t'aurais pu me le dire. J'abandonne, débrouille-toi. Ok, ok. Mais les gars, la grande épée... Oh, elle est là, attends. Ok. Ah, je peux rentrer dans le magasin? Ça n'a aucun putain de sens! Oh là 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 là, je peux acheter un sabre laser? Mais c'est incroyable! Attendez, 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 je vais me faire tuer! Vas-y! Oh là 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 là! Mais alors, ce requin est incroyable! Je suis mort? Ah, j'ai quand même un magnifique épée!
Regardez comment il est joyeux. Oui, maître. Regardez. Ah oui. C'est beau. C'est ça qu'on aime au final. Ah. C'est ça qu'on aime. Ah oui. On apprécie voir un requin aussi joyeux, ne faire de mal à personne, se balader dans les flots. Et c'est ça qui est incroyable, les amis. C'est ça qui est exceptionnel. Et à côté, quand on va sur la plage et qu'on voit pas mal de personnes, et bah qu'est-ce qu'on fait? Et bah on les bute. On les bute avec ma magnifique épée. Hop là, ça dégage, mon gars. Ok les amis, deuxième jeu, on m'a conseillé de jouer à Export Bart. C'est quoi? C'est un petit jeu qui apparemment a l'air tout mignon, tout sympa sur les Simpsons. Et bizarrement, plus j'approche du menu, plus bizarrement, je vois pas ça. Ah, je vois pas où est le mignon. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Écoutez, chapitre 1, New Game. I need you to go in and get egg for... Je vais crever, j'en ai marre. J'en ai marre. Faut que je baisse le son, je vais... Oh, Marge, t'es arrivé quoi, Marge? Marge, je m'en bats les steaks, je vois rien, c'est super sombre. Attends, y'a un œuf là-dedans, c'est obligé, mon gars, c'est obligé, arrête, arrête. Attends, elle arrive là. Si j'éteins la lumière, elle me voit ou pas? Le son est super fort, je me chie dessus. Tac, 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 tac. Il n'a pas trouvé. Bring me... I am your character. Waouh! Mais c'est ça ta femme? Mais frère, quitte la direct! Mais divorce! Mais faut pas rester avec une fille comme ça, il faut pas! Jusqu'à que la mort vous sépare, mais bat les couilles! Et ça, c'est se sépare direct, c'est instant! Le prêtre, il aurait dit ah ça! Ouais, franchement, ça, c'est le motif de séparation, ça! Wow! Mais putain, mais elle est possédée par Satan, c'est pas pour. Bring me and I am your character. Ou elle a mal digéré un truc, c'est possible, vous savez, les femmes de temps en temps, surtout quand elles sont enceintes, sont à fleur de peau, peut-être qu'elle est enceinte, Marge, au final, peut-être qu'on la comprend tout simplement pas, et au final, ce menu fait beaucoup trop mal aux oreilles. Moi, je pense clairement que ce jeu pourrait totalement satisfaire à pas mal de personnes voulant de l'ASMR, hein. Moi, je pense clairement que c'est fait, ce jeu a été créé par des ASMRtistes, c'est clairement leur objectif, une détente absolument incroyable. Et inégalé, et au final, est-ce que ça vous détend pas ou? Parce que moi ça me détend beaucoup, je vais pas vous mentir. Elle est pas là, elle est pas là. Oh bring me. Mais m'a vu directement, mais... mais c'est beaucoup trop dur comme jeu, les gars. J'espère pas qu'elle est par ici, sinon je suis tellement mal, mais tellement mal. Ok, je vais chercher, tac, 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 tac. Un troisième. Encore un? Non, il y en a plus, c'est bon, là, peut-être pas déconner, ça fait quand même beaucoup. Oh, je suis accroupi, je suis allongé. Non, mais je t'aime, mon jeu. Bon, allez, tu sais quoi, je suis suivant, c'est bon. Qu'est-ce que... Mais... Mais arrête de dormir! Mais je peux savoir pourquoi est-ce que je tombe sur des jeux comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? Alors je crois qu'en gros je suis un mec et il faut pas que je touche les oreillers parce que sinon je m'endors. Donc il faut que je me traîne jusqu'à aller à la porte du coup parce que ça toque. Alors là je pense que je suis vraiment dans les tréfonds de ce que je peux trouver comme jeu. Je suis censé faire comment là? Mais what the fuck? Mais... En fait, t'es Spider-Man, quoi. En fait, t'es vraiment Spider-Man, quoi. C'est Spider-Man, mais genre à la retraite, quoi. Vraiment, quand il était pas bien. Vraiment sur la fin. Spider-Man sur la fin, quoi. Alors là, il faut que. Non, il a touché l'oreiller! Me dis pas que je te recommence, s'il te plaît. Me dis pas que je te recommence. Je recommence pas tout. Je ne recommence pas tout. Pourquoi vous avez stressé? Moi, j'étais complètement serein. On dirait qu'il danse. Genre, il bouge les épaules comme ça. On dirait qu'il danse, c'est incroyable. Vas-y. Oh ouais, non, mais mec. Non, mais. Franchement, tu vois, je pense vraiment que les policiers, ils devraient faire la prévention routière comme ça, tu vois. Genre, il n'y a pas de voiture, pas de plots, juste toi et des oreillers. Et ça fait le taf, hein, ça fait clairement le taf, on va pas se mentir. Tu peux le faire. Non, non, mais genre, mais mec, à quelle heure ton lit t'attrape par les pieds comme ça depuis quand? C'est pas possible, ça marche pas, ça existe pas, ça. Un oreiller, c'est apparemment plus dangereux que n'importe quel autre objet ou espèce vivante abritant ce monde. Extermination! Extermination! Franchement, tranquille, moi je dis qu'on est sur un bon bail, on va tranquillement arriver à cette porte, voilà, nickel. Putain, mais mec, il y a combien de trucs à faire? C'est incroyable, putain, mais vraiment, au final, je me dis que plus je le vois, plus il me fait penser à un Pokémon, genre Chenipon, tu vois. Tu vois bien un combat Pokémon avec lui, clairement, non? Cette vidéo, j'étais un requin qui se baladait au final avec une épée de 3 mètres sur la queue. Je suis passé ensuite par Homer Simpson qui cherchait un moyen d'échapper à sa femme et de trouver des œufs pour son fils. Sans doute pour faire une omelette, peut-être, c'est possible. Et au final, je me retrouve en train
de gérer un mec, une larve, hein, qui veut juste aller dormir, mais je ne lui permets pas, je ne lui permets pas. Et je trouve ça... Et je trouve ça beaucoup trop compliqué. Mais beaucoup trop, mon gars, c'est super dur. Bah, ce qui se passe, c'est que moi aussi, j'ai juste envie de me traîner comme ça sur mon sol, hein, sur mon carrelage. Oh, un petit carrelage comme ça, là. Ou alors, un petit carrelage, puis j'arrive sur le frigo, puis je reste collé au frigo comme ça. Tel un magnète. Je vais partir, je pense qu'il est venu pour moi, le temps de partir. Du coup, je vous dis au revoir, les amis. Adieu. Les amis, c'est tout pour cette petite compilation de jeux. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner avec du montage. C'était trois jeux, genre vraiment totalement, mais random. Je suis tombé dessus, je me suis dit pourquoi pas au final. Et encore à la base, je voulais faire que le jeu du requin. Dites-moi merci parce que ça aurait été long. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que des petites compilations de jeux un peu bizarres. Oh, je pense que c'est le mot. Vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Un pouce bleu égale moins 1 degré chez vous. Et du coup, n'hésitez pas à mettre masse de pouces bleus. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et le plus important, abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste ici. Activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et d'ailleurs, si vous voulez en regarder d'autres, il y en a une ici et juste ici. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora. Ciao, ciao tout le monde. Right now,